Le patrimoine écrit est tout le contraire d'une abstraction. C'est un lieu de contact direct avec les traces vivantes de la culture. Dans une bibliothèque, il y a les documents que l'on voit, que l'on peut emporter chez soi, et il y a ceux que l'on ne voit pas. Parchemin, incunable, imprimé, manuscrit moderne, estampes, des savoirs, plans, des signes à interpréter, photographies, des histoires, 40 000 livres anciens, des siècles de vie. Un labyrinthe balisé, organisé, des documents protégés et classés. Ici, des objets, des collections sont veillés, conservés, étudiés. Et chaque jour, le trésor de la tradition écrite est sauvegardé. Ce patrimoine est composé de documents anciens, légués ou acquis, et de documents contemporains, choisis pour l'intérêt qu'ils constituent pour les lecteurs et chercheurs. Le fonds est constitué d'ouvrages datant de la bibliothèque publique de La Rochelle de 1750. On a deux qui sont assez différents qu'on a vus ce matin déjà. Conchyliographie. Voilà celui-là. Carte, coutelier, bivalve, multivalve, folate, oursin, gland de mer, concanadifère, oscabrion. Il provient en grande partie des saisies révolutionnaires de 1793, où 31 bibliothèques ont été confisquées. Il témoigne aussi des choix et du travail des bibliothécaires de différentes époques. On enrichit le fonds en sauvegardant mieux l'acquis, en assurant de bonnes conditions de conservation. Mesures de pollution atmosphérique, niveau de contamination biologique, réduction des rayonnements infrarouges et ultraviolets, mesure des différents phénomènes, température, éclairage, humidité, 18-22 degrés, pas de lumière directe, 20-200 lux. Humidité relative 50-60%. On sauvegarde aussi en acquérant de nouvelles pièces qu'on arrache aux aléas de l'histoire, à la dégradation et à l'inconnu. La politique d'achat vise à compléter des collections, à porter une attention particulière aux pièces d'intérêt local ou régional et à donner une cohérence, une continuité à l'ensemble. Les bibliothèques cherchent des documents porteurs de sens, liés au territoire, à l'histoire de la communauté, où la communauté pourra se reconnaître. Ici, La Rochelle au XVIIe siècle, capitale du protestantisme, où les Bibles en français interdites par l'Église catholique contenaient des caractères si petits qu'on en admire encore aujourd'hui la prouesse technique. Là, La Rochelle, ville portuaire, lieu de départ, d'exploration, de commerce. Tableau de la vente de 266 captifs. Année 1776, 1777, 1778. 160 nègres, 88 négresses, 9 négrillons, 4 négrites,
5 morts pendant la vente. Montant 441 700 livres. Recueillir des traces, réunir des éléments dispersés, cela s'applique aussi à l'histoire littéraire. Grâce à des acquisitions régulières, un autoportrait d'Eugène Fromentin voisine désormais avec un portrait de Léocadie, un amour d'enfance qui inspira le personnage de Madeleine dans le roman Dominique. En 1969, la bibliothèque fit l'acquisition de la bibliothèque personnelle de Joseph Bollery, un professeur rochelais, spécialiste de l'œuvre de Léon Blois. De 1909, où il découvre Léon Blois jusqu'à sa mort en 1967, Joseph Bollery consacre toute son énergie à réunir livres et documents en lien avec son auteur favori. Il crée une revue, il recopie toutes les lettres, notes, journaux qu'il peut avoir un moment entre ses mains, il propose des conférences, publie une biographie en 3 volumes. Cette passion de lecteur devient progressivement une manie de collectionneur qui amasse toutes sortes d'écrits et d'objets. Faire part de mariage, buvard, autographe, testament, prospectus, 3 enveloppes et une banque de journal. Des morceaux d'histoire individuelle viennent donc compléter le patrimoine des bibliothèques, où des passions privées deviennent publiques, une collection d'avis de décès mise à la disposition de tous. Des recueils bibliographiques d'anciens bibliothécaires. Le fonds témoigne aussi de l'histoire de l'écrit, de l'évolution même de l'écriture et de son édition. L'anthropologie a montré que l'écriture n'a pas été inventée à des fins littéraires, mais pour répertorier des biens. Sumer était une région riche, et ses tablettes sont des comptes correspondant à des titres de propriété, à des recensements de cheptels. Enrichir le patrimoine écrit d'une bibliothèque, ce n'est pas seulement se soucier du passé, c'est avoir un rapport au temps d'une grande amplitude, rétrospective, actuelle et prospective. Une société doit se souvenir pour sauver les traces, connaître le passé pour en combler les lacunes, assurer la survie et la transmission du patrimoine pour les générations futures. Elle doit aussi voir dans le présent ce qui va devenir du passé mémorable. Prévoir, se rendre capable d'anticiper sans cesse sur l'avenir des recherches et de la création. Valoriser le patrimoine, c'est aussi rendre visibles les documents. C'est par leur diffusion auprès du public que ces documents deviennent non seulement des objets de curiosité ou d'étude, mais aussi des objets à partager. Une mémoire vivante, une construction permanente, passée, présente, à venir.